Cette année, on a fait un petit écart supplémentaire en essayant de devenir original et sortir de l'ordinaire en proposant un visuel basé sur ce qui est remarquable sur Montauban, c'est-à-dire l'art et son peintre reconnu, Jean-Dominique Ingres. Donc là, on a tablé sur l'utilisation de certaines peintures, légèrement détournées, on s'en excuse, mais de manière à marquer les esprits et à prouver qu'à Montauban, on organise, mais on n'est pas comme les autres. Au niveau des chiffres, nous partons toujours sur un chiffre plafond de 4000 inscrits. Pour des raisons de sécurité et des raisons d'organisation, pour l'instant, nous ne souhaitons pas envisager plus de coureurs. On ne le dira jamais assez, on a besoin de partenaires et de bénévoles, bien entendu. On a la chance sur ce marathon d'avoir des associations qui répondent à notre demande et qui viennent chaque année nous épauler par rapport à la bonne organisation et que tous les coureurs courent dans un esprit tranquille et à leur écoute, bien entendu, que ce soit à l'arrivée, que ce soit au départ et que ce soit pendant. Alors Maillot pour la vie est une association qui a pour but d'amener des sportifs de haut niveau rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux. On fait ça depuis 17 ans et ce dans toute la France. Voilà donc le premier objectif de l'association et le second c'est de réaliser des rêves d'enfants essentiellement tournés sur le sport.